famille, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est parti pour une journée productive dans la vie. Donc, on va devoir passer 2 jours ensemble. C'est le nombre de jours que j'ai voulu faire pour vlogger. Vous montrer à peu près comment est-ce que j'essaye de concilier ma vie de mère, de femme, en étant également productive en faisant tout ce que je dois faire pour la journée. Pourquoi cette vidéo? Parce que depuis un moment, je me sens un peu plus fatiguée. Oui. Et c'est pourquoi je vais être un peu plus positive. Voilà, c'est un peu ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper une seule de mes vidéos. Vous pouvez également liker la vidéo d'entre deux jeux histoire de m'encourager. Ça me ferait tellement plaisir. Je vous remercie d'avance. Donc là, je suis en train de faire le petit déjeuner à Raphaël. Son frère dort encore, mais lui, il s'apprête déjà. Parce que lui, j'ai un grand garçon. Je n'ai plus besoin de trop l'apprêter. Il se lève seul. Il s'apprête, il se chausse, il se brosse. Je veille juste à ce qu'il fasse ça bien. Moi qu'il s'apprête, moi de mon côté, je fais son goûter. Et je fais également son petit déjeuner parce qu'il déjeune. Il est la première personne à déjeuner à la maison. Et généralement, voilà, je fais juste un léger nettoyage le matin pour être présentable, que je dois le déposer à l'école et que voilà. Je dois pas le souiller. Pour ceux qui me suivent sur Snap et Instagram, dernièrement, vous avez vu, j'ai fait des nattes. J'ai un peu bricolé des nattes et il n'était pas très 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 fier de moi de ce côté-là. Donc, sans plus tarder, on va commencer la journée. C'est un peu bizarre, le climat est un peu bizarre, c'est comme s'il va pleuvoir. Mais bon, on y va. Depuis que j'ai acheté cette goutte à Ethan, il aime tellement sa goutte qu'il ne se débarrasse plus de ça. Il veut tout le temps porter ça sur son cou. Alors depuis un moment, quand petit déjeuner, j'aime beaucoup prendre des smoothies. Je n'ai pas une machine adéquate, donc je fais avec mon mixeur classique. Je ne vous présente plus ce que j'utilise pour assaisonner mes repas. Dans ce cas, j'ai utilisé l'épice viande de l'épice des chefs. Si vous avez constaté, j'ai changé de marmite parce que j'ai eu une panne de gaz. Oui, ça peut arriver et je n'avais vraiment pas prévu ça. Heureusement que j'ai une machine qui fonctionne avec l'électricité. Je vais aller me toucher et m'apprêter à aller chercher. Bravo! Bravo! Oups. Bravo!
Là, nous sommes déjà à l'école. Je suis venue chercher Raphaël. Et tout le monde a chaud. Il fait chaud, chaud, chaud. Et donc, j'ai pu me débrouiller à faire manger aux enfants. Voilà ce qu'ils avaient à manger. Moi, je n'avais pas encore faim. Ça, c'est la crème solaire. Ça, c'est pour voir mon visage un peu. Voilà, ça fait toujours un effet assez lissant avec un peu d'huile et tout. Quoi. C'est comme ça. Et il fait un peu chaud. Donc, je vais vous montrer le livre que je lis depuis un moment. C'est un livre que j'avais laissé dans ma bibliothèque. J'étais trop jeune pour comprendre le sens du livre. Mais aujourd'hui, je suis mue. Je vais vous montrer le livre. Attendez. Demandez et vous recevez. J'avais acheté ça en 2020. Et j'avais imaginé que ça fait bientôt 4 ans que je l'ai et je ne l'avais pas vraiment lu. Mais aujourd'hui, je comprends tout. C'est un livre de chez. C'est un livre qui a été fait par Esther et Jerry Hicks. Et ce sont les lois universelles de l'attraction selon les enseignements d'Abraham. Qu'on le veuille ou pas, il y a des lois universelles. Quelle que soit notre religion, il y a des lois universelles. En fait, aujourd'hui, le livre, en fait, parle juste des choses que nous avons l'habitude d'attirer à nous. Ce que nous ne voulons pas attirer à nous, en fait, nous ne devons pas nous focaliser dessus. Mais ce que nous voulons attirer à nous, nous devons nous focaliser sur ces choses-là. Globalement, c'est ça. Et il vous propose des processus de voilà, que vous pourriez faire à la maison, vous-même, vous exercez. Vous savez, vous pouvez connaître tout sur les pensées positives, la loi d'attraction, les lois universelles. Vous pouvez connaître tout un tas de choses. La connaissance, c'est bien, mais ça reste encore théorique. Si vous-même vous n'appliquez pas ça dans votre vie, alors même si vous connaissez quelque chose, vous allez avoir le résultat contraire à ce que vous voulez. Pour moi, c'est juste que ça doit être un état d'esprit. Tel esprit, pendant tout mon séjour sur Terre, j'ai envie de cultiver un état d'esprit qui n'attire que de bonnes choses sur Terre. J'ai juste envie d'attirer des choses qui me seront bénéfiques en fait, à moi et à ma famille, à mon épanouissement. Donc du coup, je suis beaucoup plus dans les livres de développement. Et en les lisant, j'essaie également de les... Je les pratique aussi. Parce que c'est bien beau d'acheter des livres, mais si après, vous ne pratiquez pas ce à quoi vous croyez, ça n'aura pas d'effet, d'impact sur votre vie. Donc, je vais me concentrer sur mes quelques pages à lire et ensuite, je pense qu'à une certaine heure, je vais aller manger. Il y a Ethan qui veut dormir, donc du coup, je vais un peu le bercer. Là, il est fatigué. D'attendre mon chéri ici à Total. Au lieu de dormir, je suis ici à la station en train de l'attendre. Je suis là, je vais faire le service de chauffeur et tout. Donc après ça, je vais aller dormir. Je suis rentrée du sport et j'ai commencé à cuisiner avec Pamela. On a fait la sauce gumbo avec le couscous. J'ai pas pu fumer parce qu'il fallait qu'on gagne un temps. Donc là, je suis en train de sortir avec les enfants, Pamela et tout le monde. On est en train de partir au bubble tea. Vous savez déjà l'endroit de ma soeur. Donc le petit coin thé de ma soeur et tout, des bubbles. Donc elle a ajouter d'autres recettes à sa carte, d'autres menus à sa carte. Donc je vais également aller voir avec Pamela et les enfants parce que ça fait un moment qu'on n'est pas parti. Donc ils viennent nous chercher parce que voilà, c'est mieux de toujours avoir une seule voiture si tout le monde peut entrer que de rouler en cortège et tout, ça sert à rien. Donc là, je suis déjà prête. J'ai mis une robe comme ça. Vous voyez, simple, voilà. Je voulais quelque chose d'assez léger parce que toute la semaine, avec les choses qui me servent au corps, là, ça m'énervait déjà. Donc, j'ai juste mis cette petite robe. J'ai fait un petit make-up, petit eyeliner, gloss, voilà, mon sac, mes petites babouches. Voilà, les enfants sont également prêts.
Donc on va partir ensemble, on va passer encore cette journée avec moi. Vous voyez que le matin j'étais assez productive, j'ai fait quand même fait un petit peu de sport, de marche. On a terminé à 10 000 pas et plus, donc on a terminé à 10 000 pas, 10 500 pas comme ça. Donc c'était super, donc je vous emmène avec vous. Comme vous pouvez le constater, on sert déjà des salades d'avocat, des bubble tea, également des poulets panés. Bref, on s'est vraiment régalé. Je vous promets que j'ai oublié que c'était mon cheat day. J'ai un peu abusé sur le bouton. Entre deux jours, j'ai pu faire un processus que j'ai appliqué à partir de ce livre et je compte appliquer ces autres processus durant tout le mois et durant l'année. Je trouve que me concentrer sur un processus me permet d'avoir un peu plus de résultats. Donc si vous ne connaissez pas ce livre, vous pouvez le commander sur Amazon ou alors je ne sais pas où c'est disponible, moi je l'ai eu sur Amazon. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Quand nous sommes rentrés, tout le monde s'est couché parce que tout le monde était fatigué après avoir mangé et tout. Donc jusqu'ici je suis encore éveillée, mais je peux aller me coucher. Il est bientôt 23h, je suis restée un peu plus éveillée pour lire et pour me rattraper vu qu'on avait passé toute la journée dehors. Et voilà, donc si tu arrives jusqu'à la fin de cette vidéo, dis-moi en commentaire l'heure à laquelle tu as l'habitude de te réveiller dans tes journées productives. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me faire un thumbs up et de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.